C'est l'épisode 6 de Redécouvrons Donkey Kong Country 2. On était au troisième monde. Donc là, on est dans des marécages avec une épave de bateau. Et troisième niveau, crapahuète des croqueurs. Ah bah voilà. Très très bon début. Super. Ça, c'était collector quand même. Bon. J'ai envie d'aller à gauche du coup, mais je peux pas. Ok, comme ça devrait le faire. Peut-être comme ça, tiens, plutôt. Yes! Oups. Mais c'est dangereux ça. Ok. Je sais pas s'il faut faire ça. Ah, pas du tout. Non, non. Absolument pas. Comment on passe? Ah! Ah bah oui, je peux plus. Forcément. En fait, c'est le niveau qui commence par la gauche. Je sais pas pourquoi j'ai changé de personnage. Ça change strictement rien. Voilà. Une vie. Ça fait toujours plaisir. Après, on refait comme tout à l'heure. Et après là, je pense que la seule solution, c'est encore de lancer son pote, mais de bien viser. Voilà. Cool. Un coffre dans un coffre. Dans un coffre. Dans un coffre. Dans un coffre. Et il contient une pièce d'écart. C'était rigolo cette petite séquence. Allez, maintenant on va à droite. J'avais aucun souvenir de la musique. Mais sympa pourtant cette petite musique. Ah, bien sûr. Le coup classique. Au moins on a la pièce des cas. Allez, c'est reparti. Ouais. Un tonneau des cas, ça se refuse pas. Viens là, toi. Ah, celui-là est resté cette fois-ci. Ok, faut monter, j'ai compris. Déjà? Pour l'instant, je trouve super facile les niveaux bonus. Ok, une vie, ça fait plaisir. Alors, ça sert à quoi ça? Ok, ça fait venir des petits crocodiles pendant un temps limité. Et après, faut recommencer. Bon, d'accord. On va faire confiance? Ouais. Ah! Pourquoi il a pas rebondi lui?
parce que je suis pas doué avec mes boutons. Oh, doucement, doucement, doucement. Oh là là là. Oh, qu'est-ce que je suis nul des fois. En fait, on n'a pas du tout besoin de rebondir. Je sais pas pourquoi je rebondissais. Peut s'en servir comme plateforme tout à fait normale. C'est pas comme ceux qui ouvrent vraiment la gueule quand on leur tape dessus. Et eux, il nous faut rebondir en sautant très haut. Ça va mal finir, non? Ça va. Quelle maîtrise. Oups. Voilà, c'est eux qui nous font rebondir vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vite dit, hein. Allez, on est reparti. Allez, je prends des raccourcis. Oups. Doucement. Raté. Toi, je t'aurai. Ou pas. Oh non! De vie. Ah mince. Comment on fait? Comme ça, tout bêtement. Tout bêtement. Toi, je me venge. Ok, alors c'est vrai, je me suis fait avoir tout à l'heure, non? Enfin, j'ai failli me faire avoir. Je trouve que c'est super juste le saut là. Yes! Avec le G. On va essayer d'avoir le G, comme ça nous fera une vie. Vu qu'on a les trois autres lettres. Juste calculer son coût. Voilà. C'est bon, on a tout trouvé. Bataille canal. Canaille. Bataille canaille. Cool. Le serpent, je sais plus comment il s'appelle déjà.
Allez, on va déjà voir s'il n'y a pas un passage secret là-haut. Non, il n'y a rien. Et dans ce genre de niveau, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des passages secrets absolument partout. Même là. Et en fait, contrairement à d'habitude, c'est pas Donkey, Diddy et Dixie qui montent sur le serpent. Mais là, on est carrément transformé en serpent. Oups. Y'a rien là? On va dire qu'il y a rien. Non plus, y'a rien. Pas une petite banane très louche qui traîne. En plus, j'ai comme j'ai tué l'abeille là, ça va être difficile de réussir ce saut. On va essayer comme ça. Ouais, c'est bon. Donc bon, là, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est pas ça. En fait. Je crois que j'ai vu une petite banane en dessous là, ouais. Boum! Ok. Trouver le jeton. J'ai pas besoin de toutes les tuer. Ah! Comme d'habitude, je vais d'abord aller voir en dessous. Ah ah. La pièce des cas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, il veut me tuer. Ok, en fait, il n'y a rien, là. Bizarrement, cette abeille. Et là aussi, il y a des bananes. Non, il n'y a rien. Je cherche des passages secrets partout là où il faut pas. Raté! Pourquoi je suis pas mort? Pourquoi je suis pas mort? Comment j'ai fait? Ok, faut attraper toutes les étoiles. Plus que 3. Ouais, ok. En fait, on peut se laisser tomber dans le vide et ensuite sauter. C'est peut-être pour ça que je suis pas mort tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que j'ai obtenu les 3 dernières étoiles. Oups! Alors, fais attention. Voilà, super.
Je saute plus haut que vous. Ah ouais, quand même. Il fallait utiliser plusieurs tonneaux à la suite. Youhou! Ok, pourquoi il y a un tonneau d'écart? Je comprends pas. Peut-être qu'il y avait un passage secret que j'ai raté tout à la fin. Ouais, on dirait bien, vu que j'ai pas tout trouvé. Tant pis, hein. Alors là, j'ai deux possibilités. Ascension visqueuse. Et le kiosque de Clouba. Alors, je propose d'aller voir par là. Est-ce que j'ai assez déjà? 15? Bah voilà, 15. Allez, on va visiter le deuxième niveau du monde perdu. Bataille de la glace noire. Oh là là, ça me rappelle des choses. Je pense que celui-là, il est encore faisable. Mais après, les niveaux du monde perdu sont vraiment terribles. Je dis, je pense qu'il est faisable, hein. Je peux me tromper. Pour l'instant, ça va. On va descendre doucement. Ouais, je suis très prudent. Oups. Ok. Il y a quand même pas un bonus là-dedans. Ok, gentil, gentil les abeilles. Oh! Il y a plein de belles choses à gauche là-haut. Ah non, pas lui! Oh, je me souviens, celui-là, il m'enlève des vies, je crois. Il vole des vies. Le tonneau méchant là, le noir. Ah là 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 là. Je voulais pas tomber. Ok, donc il faut se battre. Il va falloir se battre contre des tonneaux qui vous enlèvent des vies en vous courant après, le tout sur la glace. Évidemment, quand ça glisse à mort. Celui-là, il est gentil, il fait rien, lui. Il fait rien. Il fait rien du tout. Ah, bravo. Ok, pas de problème. Alors, ensuite, ça glisse vachement. C'est lui qui est super méchant. Comment on va s'y prendre? Ouais, bon. Ok, c'est une solution. C'est un truc de fou. C'est encore un niveau ultra vertical. On fait que descendre. Il y a beaucoup dans... Jusqu'ici, on a eu beaucoup de niveaux où il fallait tout le temps monter. Celui-là, il faut tout le temps descendre. Choisissez votre colonne. Ok. Oh, merde! Une fausse manip et c'est fatal. J'avais vraiment pas beaucoup de souvenirs de ce niveau-là. La plupart des niveaux, finalement, je m'en souviens pas. Donc c'est bien, je redécouvre vraiment.
Ah, il me vole des bananes en fait, lui. Je me disais bien qu'il me volait quelque chose. Et l'autre, il me vole des vies. Enfin, en fait, il y a plusieurs sortes de méchants tonneaux. Il y a les verts, ils nous volent une banane. Je crois que c'est ça. Les jaunes, ils volent un régime de bananes. Et les noirs, ils volent une vie. Alors je vais quand même aller l'affronter, le noir, parce que... Non, bon, tant pis. Non, je change d'avis. Je voulais aller l'affronter parce qu'on pouvait gagner 2 vies. Donc c'est quand même rentable. Si on se fait rien voler, on gagne 2 vies. Ah bah j'étais juste à la sauvegarde avant de mourir. C'est un niveau original quand même. Moi j'aime bien. J'aime bien le concept de se laisser tomber comme ça. Pas comme ça. Comme ça, j'aime moins. Allez, on va faire l'hélicoptère pour descendre tout en douceur. Le problème, c'est qu'elle est super... Oulala, super basse par rapport à l'écran. Donc, on peut pas du tout anticiper les dangers. J'aurais très bien pu tomber sur une abeille. J'ai peut-être raté un truc. C'est bientôt fini là. Par contre, j'ai trouvé aucun bonus. Enfin, si c'est comme dans l'autre niveau du monde perdu, il y avait qu'un seul bonus. Et il contenait la pièce d'écart. Donc c'est peut-être pareil. Ah ouais, je crains l'avoir raté. Ah, et puis j'ai raté la fin. Bon, c'est pas grave. Ok, revenons au quai crème. Et allons sauvegarder. On a déjà fait pas mal de choses dans cet épisode. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là. Merci à tous, et à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.